Bonjour, je me présente, je suis Madame Cherny Chérine, professeure de français au lycée Mangis Limokef. Je suppose que vous me connaissez déjà parce que j'ai eu le plaisir d'animer la séance précédente qui a été consacrée aux activités lexicales relatives au thème du partage. Comme vous le savez bien, votre épreuve de français au baccalauréat s'articule autour de deux volets. Le premier volet est celui de l'étude de texte qui est composé de deux parties, des questions de compréhension qui suivent toujours la linéarité et la progression du texte et des questions portant sur des faits de langue. Quant au deuxième volet, il s'agit bel et bien de l'essai. Pour cette séance, notre travail se focalisera sur le premier volet, à savoir l'étude de texte. Et spécialement, on abordera une question fondamentale, comment répondre à une question de compréhension. Ce travail est élaboré par mes deux collègues, Mme Nozha Darwezi, Mme Jaïdi Nour et moi-même, présenté par moi-même, sous la direction de Mme Kefis Ghiri Naïma, inspectrice générale de l'éducation. Alors, on va entamer notre deuxième séance d'étude de texte intitulée « Comment répondre à une question de compréhension ?». On va travailler sur deux supports différents. Le premier support de Philippe Grimbert, Un secret. Le deuxième support de Queneau, Exercice de style. Avant de commencer, je tiens à attirer votre attention sur les étapes que vous devez suivre afin de pouvoir fournir une réponse cohérente et conforme à la consigne. Ce qu'il faut faire. Il faut d'abord lire et relire la question proposée, ensuite repérer, souligner les mots-clés, sur quoi porte la question, savoir à quelle partie du texte renvoie cette question, au début, au milieu ou à la fin du texte, ce qui facilitera l'étape suivante. L'étape suivante, trouver les éléments de réponse, les indices textuels adéquats, appropriés à la question proposée. Enfin, regrouper ces éléments, les reformuler en vue de rédiger votre réponse. Notez bien ce qu'il faut éviter. Alors, vous devez éviter la paraphrase. Qu'est-ce que la paraphrase? C'est recopier des phrases telles quelles du texte. À éviter aussi l'extrapolation, faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, les jugements personnels émis par l'élève, puiser des indices dans le préambule, la phrase qui situe généralement le texte au début. La première étape sera consacrée au terme interrogatif. On va vous proposer une liste qui n'est pas exhaustive. On a sélectionné quelques mots, expressions et termes interrogatifs récurrents. On va commencer d'abord par « comment ». La question porte généralement sur la manière, la réaction, le comportement ou l'attitude du personnage. À titre d'exemple, bac juin 2012, comment l'attitude de Gervaise évolue-t-elle face à la proposition de bouger? Donc l'élève ici, il va répondre en mentionnant l'attitude, le comportement, la réaction de Gervaise, comment elle a évolué face à la proposition de bouger. Deuxième exemple, pourquoi, pour quelles raisons? Autrement dit, l'élève, il va nous donner les motifs, les raisons et les causes. À titre d'exemple, dans la session de contrôle 2018, pour quelles raisons les gens ne sortent plus de chez eux? Je vous ai mentionné aussi en bas, juin 2011, 2014, 2019, contrôle 2017 et 2018, pour attirer votre attention sur ce genre de question qui est fréquemment posée, reste à signaler que, si on vous mentionne pour quelles raisons, l'élève doit comprendre qu'il doit au moins fournir deux raisons, même si on ne vous précise pas dans la consigne combien. Troisième exemple, est-ce que, ou inversion du sujet, bien qu'elle soit une interrogation totale, l'élève ne doit pas se contenter de répondre par oui ou par non, mais il faut rédiger, et on a bien souligné, rédiger une réponse contenant une explication, en se référant bien évidemment au texte. À titre d'exemple, bac choix 2010,
D'après l'auteur, le progrès scientifique garantit-il le bonheur aux hommes? L'élève ne va pas répondre « oui, le progrès, il garantit le bonheur » ou bien « non, le progrès ne garantit pas le bonheur aux hommes », mais il doit expliquer comment le progrès, il garantit le bonheur aux hommes s'il a répondu par « oui » ou bien comment le progrès ne garantit pas, ne contribue pas au bonheur des hommes. Quatrième exemple. Qu'est-ce qui? Dans ce cas, l'élève doit commencer par « ce qui » dans le cadre de la reformulation de la question proposée pour pouvoir insérer sa réponse. Bac juin 2012, qu'est-ce qui montre son attachement à la réalisation de son projet? Juin 2015, qu'est-ce qui caractérise le comportement des policiers à l'égard du jeune Algérien? Bac juin 2014, qu'est-ce qui oppose les hommes et alimente leur division? L'élève commencera sa réponse par « ce qui montre son attachement, ce qui caractérise le comportement des policiers » ou bien « ce qui oppose les hommes et alimente leur division ». Bien sûr, il va expliquer, selon la consigne bien sûr proposée, il va expliquer qu'est-ce qui les oppose, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui montre. Ce n'est pas un travail de repérage, faites attention à ça. Un autre exemple, dans quel état? La question porte sur la situation dans laquelle se trouve le personnage, un état suite à un événement. Bac juin 2017, à titre d'exemple, la question a été posée comme suit. Dans quel état se trouve Ursula en écoutant le morceau joué par le pianiste? Il va répondre, Ursula, en écoutant le morceau joué par le pianiste, Ursula se trouve dans un état et il va continuer sa réponse. Un autre exemple. Deux mots interrogatifs, quel sentiment? Il s'agit de relever au moins deux sentiments différents éprouvés et ressentis par le narrateur ou qui animent l'un des personnages. Vous avez toujours les exemples. Bac juin 2016, lors de son séjour en Kabylie, Camus manifeste de l'intérêt pour ses habitants. Quel sentiment ces derniers éprouvent-ils à son égard? Ici, on n'a pas mentionné, est-ce qu'il s'agit de relever 2, 3 ou 4 sentiments? Donc l'élève, automatiquement, il va relever au moins 2. Bac juin 2018, pareil, quel sentiment éprouve-t-il une fois ses chaussures cirées? Toujours, l'élève, il doit mentionner au moins 2 sentiments. Il doit relever au moins 2 sentiments dans le support textuel qu'il a le jour de l'examen. Un autre exemple, quel effet? Ici, il s'agit plutôt de l'impact, de l'influence, de la conséquence. Exemple, Bac juin 2017, quel effet la musique a-t-elle sur le pianiste? Quelle est l'influence de la musique? Quel est l'impact de la musique sur le pianiste? Quelle attitude? Ici, il s'agit plutôt de la réaction, du comportement, la manière de se comporter. Ça rejoint l'idée du comment. À titre d'exemple, Bac juin 2015, quelle est l'attitude des autres passantes? Bac juin 2013, quelle attitude Maupassant exprime-t-il à travers le tableau qu'il brosse de la situation des employés? Autrement, comment il a réagi? Quel était son comportement à travers le tableau qu'il a brossé? On va passer maintenant aux verbes opératoires, ou bien ce qu'on appelle aussi les verbes de consigne. Quelle est l'utilité de ces verbes de consigne? Ces verbes de consigne permettent à l'élève de préciser, de bien déterminer la tâche qu'il doit accomplir. On va commencer par un verbe assez redondant, relever, que vous trouvez généralement dans les consignes posées. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez exprimer ça comme vous pouvez remplacer le verbe relever par le verbe repérer, identifier, donner, citer ou encore trouver. Les exemples proposés. Bac juin 2013, le narrateur nourrit l'ambition de devenir écrivain. À quel obstacle est-il confronté? Citez-en deux. Bac juin 2019, André Mauroy met l'accent sur les avantages de la lecture. Donnez-en deux. Il s'agit de repérer, d'identifier dans le texte les deux avantages de la lecture ou bien les deux obstacles auxquels le narrateur a été confronté.
on passe maintenant à un autre type de verbe de consigne, étudier, expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser, interpréter, préciser les faits, rechercher. Bac juin 2011, préciser deux raisons par lesquelles le narrateur explique cette indifférence. J'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que ces deux verbes de consigne, étudier et expliquer, se trouvent généralement dans les questions qui portent sur les procédés d'écriture auxquels serait consacrée la séance numéro 4. Relever, généralement la consigne est de la sorte, relever et expliquer un ou deux procédés d'écriture relatifs à une idée ou à un aspect particulier. On passe à un autre type, à un autre exemple de verbe de consigne, justifier, un verbe que vous trouvez généralement tirer, ça veut dire quoi? Tirer à partir du texte des indices qui illustrent l'idée développée dans la réponse, les intégrer à la réponse en les citant entre guillemets, parce qu'ils sont les paroles de l'auteur. Vous avez bac juin 2016, appuyez votre réponse par une phrase que vous allez puiser du texte. Bac juin 2010, illustrez votre réponse par des indices précis, puisés du texte également. Bac juin 2009, à la fin du texte, la narratrice fait le bilan de l'année. Selon elle, Georges Perros a-t-il réussi dans son rôle d'enseignant? Justifiez votre réponse. Il y a une petite précision ici. Si vous avez justifié, le verbe de consigne justifié qui est précédé par une question fermée, par une interrogation totale. Ici, il y a une ambiguïté parce que certaines consignes déroutent. Justifier ici peut avoir le sens de expliquer. Georges Perros, si vous allez dire qu'il a réussi dans son rôle d'enseignant, vous allez expliquer comment. Si vous allez répondre Georges Perros n'a pas réussi dans son rôle d'enseignant, vous allez expliquer aussi comment. Donc ici, justifier pourrait avoir le sens de justifier, d'expliquer votre réponse, de fournir une explication à votre réponse. On va passer maintenant à quelques recommandations utiles. Évitez d'abord les tirets. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de produire et de rédiger une réponse. Notez bien, toutes les réponses doivent être entièrement rédigées. Pas de paraphrase, pas d'extrapolation, pas de plagiat. Donc, il faut construire une réponse conforme à la consigne en utilisant des articulateurs logiques. Évitez la paraphrase, ne pas recopier le texte, il s'agit de produire, de rédiger une réponse et non de copier les phrases du texte. Et là, vous devez faire attention parce qu'on trouve dans plusieurs copies des élèves qui recopient telles quelles des phrases du texte et même parfois des paragraphes, ayant dans la tête qu'ils ont fourni l'effort de répondre. Il ne s'agit pas d'une réponse rédigée, il s'agit juste de la paraphrase. Faites attention à ça. Maintenant, on va passer à la phase numéro 2, application. On va travailler sur deux supports traitant la thématique du partage, mais sous des angles différents. Le support numéro 1. On va commencer par le préambule. Fils unique, j'ai longtemps eu un frère. Il fallait me croire sur parole quand je servais cette fable à mes relations de vacances, à mes amis de passage. J'avais un frère, plus beau, plus fort, un frère aîné, glorieux, invisible. J'étais toujours envieux, en visite chez un camarade, quand s'ouvrait la porte sur un autre qui lui ressemblait quelque peu. Des cheveux en bataille, un sourire en coin qu'on me présentait en deux mots, mon frère. Une énigme, cet intrus avec lequel il fallait tout partager, y compris l'amour. Un vrai frère, un semblable dans le visage duquel on se découvrait pour un trait commun, une mèche rebelle ou une dent de loup, un compagnon de chambrée dont on savait le plus intime, les humeurs, les goûts, les faiblesses, les odeurs. Une étrangeté pour moi qui régnait seule sur l'empire des quatre pièces de l'appartement familial. Unique objet d'amour, tendre souci de mes parents, je dormais pourtant mal, agité par de mauvais rêves. Je pleurais sitôt ma lampe éteinte, j'ignorais à qui s'adressaient ces larmes qui traversaient mon oreiller et se perdaient dans la nuit. Honteux, sans en connaître la cause, souvent coupable sans raison, je retardais le moment de sombrer dans le sommeil. Ma vie d'enfant me fournissait chaque jour des tristesses et des craintes que j'entretenais dans ma solitude. Ces larmes, il me fallait quelqu'un avec qui les partager. Philippe Grimbert, Un secret, 2004.
question de compréhension. On va commencer par la première question. Le narrateur souhaite avoir un frère. Pourquoi ? Citez deux raisons. On va commencer par les indices textuels, les éléments de réponse. Premier indice, cet intrus avec lequel il fallait tout partager. Deuxième, y compris l'amour, un semblable dans le visage duquel on se découvrait, un compagnon de chambrée. On va passer maintenant à l'interprétation des indices textuels. Premier indice, vous avez le verbe « falloir » qui dénote une obligation, un besoin urgent, un besoin vital. La présence de cet intrus est un besoin, une source d'amour, un moyen de partage. Dans le troisième indice, le frère est un semblable, un reflet de soi-même, un moyen de se découvrir, de se reconnaître, une quête de soi. On va passer à un autre indice textuel, puisé du texte bien sûr, dont on savait les humeurs, les goûts, les faiblesses, les odeurs, interprétation. Ce compagnon de vie permet de partager, de communiquer, de parler, de causer, d'échanger ses goûts et ses soucis. Un autre indice, j'ignorais à qui s'adressaient ces larmes qui traversaient mon oreiller. Interprétation. Cet indice rend compte de la perdition causée par la solitude, par l'absence d'un frère. Indice textuel, ces larmes, il me fallait quelqu'un avec qui les partager. Interprétation. Cet indice montre la souffrance de l'absence, la souffrance suite au sentiment de la solitude. On passe maintenant à l'étape de la rédaction de la réponse. Après avoir repéré les indices textuels, puis interprété ces indices textuels, on passe maintenant à la rédaction. Comment rédiger sa réponse ? Le narrateur désire avoir un frère pour deux raisons. Il s'agit de la reformulation de la question. D'abord, voilà les articulateurs logiques que vous pouvez employer à titre d'exemple, il éprouve le besoin d'avoir un compagnon avec qui il échange et partage ses désirs, ses envies et ses peines. Ce compagnon, il représente pour lui un refuge, une âme sœur qui le console et le reflète. Ensuite, la présence d'un frère lui permet de s'échapper de la solitude qui l'étouffe et l'angoisse. C'est rompre avec l'obscurité de l'absence et de la solitude. Vous avez bien ici une réponse entièrement rédigée. D'abord, dans un premier lieu, voilà la première raison. Ensuite, dans un second lieu, voilà la deuxième raison. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Le narrateur éprouve des sentiments différents en l'absence d'un frère. Relevez-en deux. Pareil, on commencera par des indices textuels puisés du texte, des éléments de réponse qu'on va plus tard interpréter. On commence par le premier indice, « Je dormais pourtant mal, agité par de mauvais rêves, je pleurais sitôt ma lampe éteinte, ces larmes qui traversaient mon oreiller et se perdaient. » Interprétation. Le premier indice montre le malaise du narrateur, le mal qu'il ressent. Agité par de mauvais rêves, c'est un signe de perturbation, de trouble. Je pleurais, sitôt ma lampe éteinte. Vous avez le verbe pleurer, vous avez les larmes. Ça montre la mélancolie, la peine qui traverse le cœur de ce narrateur, le chagrin, la détresse, le désarroi et le désenchantement. Vous avez une variété de sentiments. Et si ? Honteux sans en connaître la cause, coupable sans raison, des tristesses et des craintes que j'entretenais dans ma solitude. À chaque indice textuel, on va faire une interprétation. Honteux, l'adjectif honteux, ça montre la honte, l'inquiétude du narrateur. Coupable sans raison,
La culpabilisation, le narrateur culpabilise d'être seul sans savoir pourquoi. Tristesse, crainte, solitude, vous avez ici le sentiment de la tristesse, la peur, la crainte, l'angoisse d'être seul, la solitude, l'abandon, le sentiment d'être abandonné, le manque de l'autre. On va passer maintenant à l'étape de la rédaction de la réponse. Pareil, d'abord on relève et on repère les indices textuels dans le texte, puis on va les interpréter pour pouvoir regrouper tous ces éléments et rédiger sa réponse. Le narrateur éprouve divers sentiments en l'absence d'un frère. D'une part, le sentiment de la détresse, d'autre part, le sentiment de la crainte d'être seul. Dans la question, on vous a demandé de relever deux sentiments différents. Voilà deux. Ou bien, vous pouvez choisir d'autres sentiments qu'on a relevés tout à l'heure dans l'interprétation. Il ressent aussi le manque et la privation causés par cette absence qui l'angoisse. Maintenant, on va passer au support numéro 2 qui traite également la thématique du partage, mais sous un angle différent. Il y avait aujourd'hui dans l'autobus à côté de moi, sur la plateforme, un de ces morveux comme on en fait guère, heureusement, sans ça je finirais par en tuer un. Celui-là, un gamin dans les 26-30 ans, méritait tout simplement, non pas tant à cause de son gros coup de dindon déplumé que par la nature du ruban de son chapeau, ruban réduit à une sorte de ficelle de teinte aubergine. Ah, le salaud, ce qu'il me dégoûtait! Comme il y avait beaucoup de monde dans notre autobus à cette heure-là, je profitais de bousculades qui ont eu lieu à la montée ou à la descente pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Il finit par s'esbigner lâchement avant que je me décide à lui marcher un peu sur les arpions pour lui faire les pieds. Je lui aurais dit aussi, afin de le vexer, qu'il manquait un bouton à son pardessus trop échancré. Queneau, exercice de style. On va passer maintenant aux questions de compréhension. Comment réagit le narrateur en présence de l'autre? Justifiez votre réponse par une phrase du texte. On note bien que cette question se compose de deux parties. Étape numéro 1, comment? Il s'agit de la manière. Réagit, vous allez relever une réaction, un comportement, une attitude. Étape numéro 2, c'est la justification. Donc il s'agit d'un travail d'interprétation. C'est à l'élève d'analyser les indices textuels pour pouvoir en dégager la signification, le comment, comment réagit le narrateur. Ce n'est pas un travail de repérage. Comme ce qui a précédé, on va relever les indices textuels et les éléments de réponse du texte. Mériter tout simplement, le morveux, le salaud, ce qu'il me dégoûtait. Et on va passer maintenant à l'étape suivante, celle de l'interprétation des indices textuels. Mériter tout simplement, ça montre l'irritation, la provocation qui charge ce personnage. Le morveux, le salaud, ce sont des termes péjoratifs qui rendent compte du regard rabaissant, dégradé du narrateur envers cet étranger. D'où se dévoile l'idée de la violence morale. Ce qu'il me dégoûtait, le verbe dégoûter marque le dégoût, la répugnance, l'écœurement. Ces sentiments traduisent encore cette violence morale, violence mentale, cet abus envers l'autre, envers l'étranger. D'autres indices, je profitais de bousculades pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Je me décide à lui marcher sur les arpions pour lui faire les pieds afin de le vexer. Interprétation de chaque indice à part, vous avez ici bousculade, enfoncer, marcher sur, lui faire les pieds, vexer, en tuer un, etc. Ces termes et ces expressions forment le champ lexical de la violence physique, forment le champ lexical de la brutalité, si vous voulez, de l'agressivité, et ça montre une violence physique à l'encontre de cet autre. Afin de le vexer, le verbe vexer a le sens d'intimider, blesser. Et c'est une marque d'une violence psychologique qui nuit à l'intégrité morale.
C'est un signe de maltraitance, de dégradation de la personne, un signe de rejet et de marginalisation. On va passer à l'étape suivante, celle de la rédaction de la réponse. Après avoir souligné et repéré les indices textuels et après avoir fait les interprétations, on va regrouper tous ces éléments pour rédiger sa propre réponse. En présence de l'autre, le narrateur réagit avec agressivité et brutalité. Il refuse la présence de l'autre qui l'irrite, ce qui témoigne d'un comportement violent, xénophobe et hostile à l'égard d'autrui. Ça, c'est la première étape de la réponse. On a relevé le comportement, l'attitude, la réaction du narrateur face à l'étranger. Deuxième étape, c'est celle de la justification. Comme l'atteste la phrase suivante. Une phrase puisée du texte, donc on doit la mettre entre guillemets. Je profitais des bousculades qui ont eu lieu à la montée ou à la descente pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Voilà la réponse entièrement rédigée. Puisque notre séance touche à sa fin, je tiens à vous rappeler quelques recommandations utiles. D'abord, évitez l'extrapolation. Évitez aussi la paraphrase, c'est-à-dire ne pas recopier les phrases du texte telles quelles. Évitez les jugements personnels. Aussi, et surtout, ne pas produire une réponse sous forme de tiré. Voilà ce que vous devez faire. D'abord, repérer et souligner les indices textuels, puis les interpréter, ensuite regrouper ces éléments en vue de rédiger une réponse conforme à la consigne. Voilà quelques recommandations. Je tiens également à vous rappeler que vous devez distinguer entre les termes interrogatifs et les verbes opératoires. Pourquoi ? Cela vous facilitera votre travail. Cela vous précisera quelles tâches vous devez accomplir le jour de l'examen. Merci pour votre attention. Au revoir. Et à la séance prochaine.